Chers frères et sœurs en Christ, vous tous et toutes qui portez dans votre cœur la situation des chrétiens de l'Orient, vous voyez que nous sommes rassemblés, diverses communautés nous ont rejoints pour cette célébration, et c'est toujours avec un sentiment de joie que nous accueillons des membres de la famille qui sont venus de loin et dont nous avions quelque peu perdu contact. Leur présence nous fait prendre conscience que nous faisons partie d'un corps, infiniment plus varié, plus vaste que celui auquel nous appartenons. Un corps qui déborde nos frontières ecclésiastiques, qui déborde notre propre histoire. Et la présence de nos frères et sœurs nous met en contact avec des églises dont l'histoire remonte à l'origine de la chrétienté, universalité de l'Église, universalité du corps de Christ qui transcende les âges et rassemble tout en tous dans la bienveillance de notre Seigneur. Nous sommes dans la joie d'une rencontre et en même temps dans la tristesse. Nous venons de vivre 2 heures de partage où nos frères ont été les orateurs pour nous présenter la situation en Orient. Et plusieurs parmi nous, plusieurs des personnes de l'auditoire ont témoigné aussi de leurs questions et de leurs souffrances en rapport avec ce qui se vit dans le cadre de ce que nous avons l'habitude d'appeler le printemps arabe. Oui, nous sommes dans la tristesse et la peine de savoir que les églises du Proche-Orient souffrent. Certes, mais méfions-nous, nous l'avons rappelé ce soir, méfions-nous des généralisations, soyons prudents, généreux et ouverts dans nos affirmations. Si certains pronostiquent la disparition des chrétiens du Proche-Orient, d'autres, au contraire, sont confiants que les épreuves présentes seront une fois de plus surmontées. Néanmoins, le seul fait que ces questions se posent à nous nous invite à la vigilance, à l'empathie, à la miséricorde. Si un membre souffre, tous les membres souffrent, nous dit l'Évangile. Et c'est sous ce signe d'une souffrance, mais une souffrance habitée par l'espérance et la confiance que nous voulons placer notre célébration. Et nous n'oublions pas que nos propres églises d'Occident vivent aussi leurs défis et se développent alors comme une solidarité, une communion de destin entre l'Orient et l'Occident. La célébration que nous vivons ce soir est l'un des fruits du pèlerinage que la communauté des églises chrétiennes a entrepris en octobre dernier au Liban. 18 personnes se sont rendues dans ce pays pour visiter d'innombrables situations de communautés, de frères et sœurs et d'églises. Et c'est avec le cœur et les yeux riches d'une expérience très dense que ces personnes sont rentrées en Suisse et ont le plaisir de vivre cette célébration avec vous. Si vous souhaitez plus de détails sur l'histoire de ce pèlerinage, vous les trouverez sur notre site internet. J'aimerais simplement souligner la présence parmi nous du père Fadi Daou, qui nous vient directement du Liban, du père Luca, qui nous vient de Paris, d'après ce que j'ai compris, de Georges Haddad, de l'Église catholique de Syrie, et de Michel Tseir, de l'Église orthodoxe, qui est collaborateur au Conseil œcuménique des Églises à Genève. Je vous invite à la prière. Par ton esprit, Seigneur, ouvre nos yeux. Que notre regard se tourne vers nos frères, regard qui accueille sans juger. Par ton esprit, Seigneur, ouvre nos mains, que nous sachions donner sans calcul.
Nous étions 18 personnes de 6 confessions chrétiennes à vivre un voyage au Liban au mois d'octobre 2011. Le but de ce voyage était d'aller à la découverte de diverses communautés et personnalités engagées, chrétiennes en priorité, mais aussi musulmanes. Ce voyage a été d'une immense richesse. Ainsi, en une dizaine de jours, ce ne sont pas moins d'une trentaine de rencontres et de visites qui ont été effectuées par ce groupe. Des exposés suivis de questions, des temps d'accueil et de repas, participation à des offices, des rencontres avec des personnes chaleureuses et bien informées, vivant sur le terrain depuis de nombreuses années, et tout avec ce même souci d'ouverture et de dialogue, et aussi cette même joie à nous accueillir, à nous faire découvrir leur vécu. Ainsi, nous avons rencontré des enseignants en théologie, des prêtres, mais aussi des personnes engagées dans l'action sociale et même écologique. Nous avons écouté, dialogué, chanté aussi, ou écouté, chanté, avons participé à des cultes ou des messes. Nous avons aussi touché du doigt des aspects du dialogue des chrétiens avec l'islam et les musulmans et avons recueilli des impressions concernant ce qui se passe sur le plan politique au prochain Moyen-Orient, printemps arabe, en particulier lors d'un moment passé avec Madame Ruth Flint, ambassadrice de Suisse au Liban. Ce voyage nous donna aussi chaque jour l'occasion de vivre dans le cadre de notre groupe des temps de méditation et de lecture divina avec des textes bibliques évoquant des récits se situant au Liban, occasion de partage et d'approfondissement spirituel. Occasion aussi de mieux nous connaître sur le plan de nos diverses confessions. En ce qui me concerne, ce voyage m'a enrichi bien plus que ce que j'avais pensé au moment de m'y inscrire. J'imaginais bien récolter quelques informations et découvrir un beau pays, vivre une aventure œcuménique intéressante et stimulante. Mais c'est sur le plan humain que les rencontres m'ont surtout enrichi. J'ai vu des personnes qui, avec finalement peu de moyens financiers, au nom de leur foi et dans un grand esprit d'ouverture, essayent avec courage d'améliorer le vécu de leurs concitoyens, action sociale des églises, persévèrent dans le dialogue sur le plan œcuménique et interreligieux, et cela avec une grande exigence, beaucoup d'écoute et en même temps de fidélité à leur propre tradition. Dans un pays où l'appartenance à une communauté religieuse est beaucoup plus importante que chez nous, ce souci de toujours aller vers les autres, de ne pas se décourager, de toujours reconstruire le dialogue et les relations, même après des guerres et pas mal de souffrances, a suscité mon admiration. En tant que chrétien engagé ici en Suisse, dans notre pays qui commence depuis peu finalement à vivre aussi une dimension interculturelle et interreligieuse de plus en plus forte, nous avons à apprendre d'un pays qui vit depuis longtemps la cohabitation de chrétiens de nombreuses dénominations différentes et de musulmans, cette situation est séculaire au Liban, et qui sait ne pas céder à la tentation du sectarisme et de l'exclusion. L'œcuménisme et le vécu interreligieux, au-delà de la diversité des croyances et des pratiques, font là-bas partie du quotidien. Il est vrai que nous avons peut-être eu la chance de rencontrer des personnes particulièrement remarquables dans ce domaine, mais elles existent et elles rayonnent. Nous allions pour marquer notre solidarité avec nos frères et nos sœurs de ce pays et nous avons reçu, je pense, à notre tour et tout autant, un encouragement. Le souvenir de ces rencontres reste pour moi une stimulation et un modèle. Amen, alléluia, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. On he vole me psoizio Christos o agasos pieliloia, je bevnai shupshaini. Rendez grâce, Dieu des dieux, alléluia, et
éternel et sa pitié. O on he vole mepshoi sintene shoi seliloye, je befnai shopshaini. Celui qui se rôde à l'accompli de grand merveille, alléloye, éternel et sa pitié. Vétap samyo enne fowi cheno kati, alléloye, je befnai shopshaini. Sur les eaux, il a affermi la terre, alléloye, éternel et sa pitié. Vétap samyo enne hannishtin refer oini emma vatfe, alléloye, je befnai shopshaini. Le soleil pour régner sur le jour, alléloye, éternel et sa pitié. Biyon emne seyo evexo seyante biogorah, alléloye, je befnai shopshaini. Il frappa tous les premiers-nés d'Égypte, alléloye, éternel et sa pitié. O afinim pisrael evol chintumite, alléloye, je befnai shopshaini. À main forte et à bras étendus, alléloye, éternel et sa pitié. Vétaf gorge mevio menchari chenhan vorge, alléloye, je befnai shopshaini. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, alléloye, éternel et sa pitié. Rentre ton glaive dans le fourreau, Pierre, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. Penses-tu donc que je ne puisse faire appel à mon Père, qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges? Chers frères et sœurs, ce qui vaut pour le Christ vaut également pour son Église. Face à l'heure qui vient, Jésus nous apprend qu'il faut être prêt à suivre l'exemple du grain de blé qui accepte de mourir en terre afin de porter beaucoup de fruits. Sinon, il demeure seul et sa mort constituera sa fin. Les récits des évangiles de l'arrestation du Christ nous montrent qu'il fut victime de cet antagonisme entre le régime romain d'une part, injuste du fait de sa nature d'occupant, et les zélotes juifs d'autre part, dont son disciple Judas faisait partie, et qui cherchaient à renverser la situation et restaurer le royaume de David, le royaume de Dieu, compris en tant que projet politique. Les deux parties l'ont vendu. Pilate a lavé ses mains de l'affaire, préférant livrer Jésus aux rebelles tout en relâchant Barabbas, afin de les occuper par une satisfaction provisoire et de prolonger son règne. Les zélotes, pour leur part, dans leur violence aveugle, n'hésiteront pas à verser ce sang innocent au nom de leur combat pour le pouvoir. Les chrétiens du Moyen-Orient aujourd'hui, et je pense plus particulièrement aux chrétiens de la Syrie, se sentent pris dans cet étau qui se resserre sur eux et met en cause leur présence et parfois leur survie dans leur propre terre. L'exemple des frères de Tibérine est aussi très présent à moi en écrivant ces lignes. La cause des révolutionnaires dans le monde arabe aujourd'hui est juste, dans la mesure où elle représente une requête de liberté et de dignité pour tous. Dans ce sens, elle est aussi la cause des chrétiens, et il est tout à fait normal qu'ils se retrouvent au cœur de ce mouvement. Le Christ lui-même n'a pas hésité à mettre en cause les institutions et les ordres sociaux établis, dans la mesure où ils devenaient oppresseurs de l'homme. Mais les chrétiens, à l'image du Christ,
sont des prophètes réalistes et non des rebelles illuminés. Ils savent que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, mais ils savent aussi que la vie de l'homme et sa libération ne peuvent être obtenues par le glaive. Le cercle vicieux de la violence ne produit que davantage de morts et de luttes fratricides. Jésus dit à Pierre, « Rentre ton glaive. » Face à la violence des hommes, il préfère se laisser désarmer, non sans trouble, comme nous le dit l'Évangile. Il préfère se laisser désarmer que de rentrer avec ses disciples et faire entrer son Père céleste dans une logique de combat dans lequel vaincra celui qui est le plus violent au détriment de l'homme et de la vérité. Le Christ nous dit, à nous chrétiens du Moyen-Orient d'aujourd'hui, ainsi qu'aux chrétiens d'Occident et du monde qui cherchent à les aider, rentrez votre glaive. Les frères du Christ ne peuvent être partie prenante d'une lutte violente. Ils sont plutôt les artisans de paix et, s'il le faut, les persécutés pour la justice. Pour cela, nous et vous devons rentrer notre glaive et accepter de nous désarmer et rester fidèles à cette voie, y compris quand nous serons lâchés par ceux qui étaient les plus proches de nous, ceux que nous avons servis et aimés, et quand nous serons livrés au bourreau comme des brebis qui sont conduites à l'abattoir. Entre l'exemple de Judas, qui dans son excès de zèle est entré dans la logique de trahison, et l'exemple des autres disciples qui, dans leur lâcheté, ont abandonné leur maître et prirent la fuite, il nous faut suivre le courage de Jésus, qui fait face à ses agresseurs par la parole de vérité intransigeante et le témoignage de l'amour indéfectible et sans limite, sans complaisance ni complicité aucune avec la violence. Suivre Jésus, remettre son glaive dans le fourreau, se désarmer, veut dire pour nous aujourd'hui se libérer de toute tentation de repli sur soi et de recherche de moyens de défense en tant que minorité appuyée par un pouvoir, qu'il soit des légions d'anges, des régimes locaux ou des armées occidentales. Je veux dire, et pardonnez-moi ma franchise, les chrétiens d'Orient, chers frères et sœurs, n'ont pas besoin du soutien ou de l'aide de leurs frères et sœurs en Occident pour les affermir dans leur lutte contre les autres ou leur défense de soi et de leur vie. Cette logique transforme toute aide en un glaive. Ce dont ils ont besoin, les chrétiens d'Orient, c'est d'être affermis dans leur mission d'artisans de paix et de serviteurs de la vérité dans leur société et auprès de leurs concitoyens. Si vous voulez nous aider, aidez-nous à nous désarmer. Aidez-nous à nous désarmer de toute tentation de pouvoir illusoire, de fausse sécurité. Aidez-nous par votre prière à rester ferme devant la violence qui s'abat sur nous et sur les autres autour de nous. Aidez-nous à rester fidèles à notre mission d'être les prophètes réalistes de la vérité, c'est-à-dire d'être les artisans d'un dialogue qui doit rester possible malgré tout. En un mot, ce n'est pas la violence qui nous désarme et retire de nous notre rôle dans et envers nos sociétés. C'est plutôt notre choix de nous désarmer qui nous rend capables de faire face à la violence par la force de Dieu et la fidélité à l'homme, tout homme, qui ne retrouve sa dignité qu'en renouant le dialogue avec son autre
pour le bien de tous. Le mystère pascal est au cœur de cette réalité. Priez pour nous afin que nous puissions être ces artisans de paix en acte et en vérité. Je vous invite à chanter « Chante Alléluia au Seigneur ». Nous chanterons d'abord en français, puis en anglais, ensuite en hébreu et finalement en arabe. Et je vous invite à vous lever. Lecture de l'Évangile de Luc, au chapitre 10, l'histoire du bon Samaritain. Alors un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours ?» Jésus lui dit « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi ? Comment est-ce que tu le comprends ?» L'homme répond, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus répond, « Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent. Ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme qui passe de l'autre côté de la route et continue son chemin, un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme. Il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un Samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche
Il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête. Il l'emmène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent. Il les donne au propriétaire de la maison et lui dit « Occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. » Et Jésus demande « À ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par le bandit ?» Le maître de la loi répond « C'est celui qui a été bon pour lui. » Alors Jésus lui dit « Va et fais la même chose. » Parole du Seigneur. Cette parabole du bon samaritain est probablement parmi les plus puissantes que Jésus a racontées pour interpréter un passage des Écritures que nous appelons communément la règle d'or. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Et ton prochain comme toi-même. C'est un commandement de prime importance, car il concerne l'acquisition en héritage de la vie éternelle, en aimant Dieu de tout son être, mais aussi en aimant le prochain comme soi-même. Apparemment, chez le légiste qui mettait Jésus à l'épreuve, l'amour de Dieu ne lui posait aucun problème, au moins aucun problème d'interprétation. Il avait tout un système de prescriptions religieuses et cultuelles pour le guider. On maintient Dieu dans un temple, ou dans une église, ou dans une mosquée, ou n'importe quel lieu sacré. On l'adore tout en lui montrant notre dévotion et notre ferveur. Très vraisemblablement, l'embarras de notre légiste avec ce commandement était que ce dernier mettait l'amour de Dieu en lien avec l'amour du prochain, voire au même pied d'égalité avec l'amour du prochain. Et ce n'est pas aller au-delà du texte si on disait que notre amour de Dieu se mesure par rapport aux actes concrets d'amour et de charité que nous faisons au prochain. Fais cela et tu vivras, Jésus lui dit. L'amour, au moins dans une perspective biblique, est un acte concret qui se pratique et non pas une notion abstraite. Dans ce commandement reste donc la question du prochain, de l'autre. C'est cette question de l'autre qui dérange, car elle est à définir et reste ouverte à toutes sortes d'interprétations. L'interprétation de Jésus se fait à travers une illustration de la vie quotidienne de son époque, mais aussi de la nôtre. La parabole qui nous livre reste une des plus commentées, car elle ne cesse de nous défier sur le sens du prochain, ainsi que sur la puissance de l'amour qui devrait dépasser toute prescription culturelle ou cultuelle, voire toute prescription dogmatique. Jésus nous raconte l'histoire d'un homme qui descendait de Jérusalem vers Jéricho et qui tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le laissant entre mort et vif. Un Samaritain, considéré comme étranger et par-dessus tout comme hérétique, qui passait par les lieux, s'est approché de lui, a eu pitié de lui, a bandé ses plaies, a pris soin de lui et l'a confié à des gens
pour s'en occuper. Alors qu'un prêtre et un lévite sont passés avant lui et ne se sont même pas arrêtés, très probablement pour des raisons de pureté cultuelle, ne pouvant toucher un mort pour ne pas se souiller. Bien que cette parabole soit connue sous le nom de du bon samaritain, reste que le personnage au centre de l'histoire est celui de la victime qui est tombée aux mains des bandits. Et en fait, c'est la distance qui nous sépare de la victime qui détermine le caractère des autres personnages. On est dans un mouvement de rapprochement ou d'éloignement par rapport à cette victime. Dans ce sens, on devient le prochain d'un autre à travers un acte concret de rapprochement. Mais on peut aussi bien être nous-mêmes cet autre qui a besoin d'un prochain, qui vient vers nous dans nos moments de détresse, dans nos moments de difficulté et dans des moments de dépouillement total. Dans le cadre de notre prière œcuménique pour les chrétiens du Moyen-Orient, cette parabole nous parle aujourd'hui plus que jamais d'une façon très pertinente. Dans une région qui connaît une grande diversité religieuse, une diversité ethnique, culturelle, dans une région où malheureusement les identités communautaires sont tellement crispées et où le repli sur soi est devenu une sorte de refuge, Jésus nous interpelle et nous redemande « Qui est ton prochain ? Qui est ton voisin ? Qui est cet autre pour toi ? Est-ce la personne ou la communauté avec laquelle tu te sens à l'aise ? Ou c'est la personne ou la communauté qui souffre et qui a besoin de ton amitié, de ton soutien et de ton accompagnement ? Être le prochain au Moyen-Orient, être le prochain d'un autre dans cette région, c'est non moins que le mystère d'être le différent d'un différent. Ce n'est pas moins que de voir en l'autre différent, en l'autre souffrant, en l'autre qui a peur, en l'autre qui est calomnié, en l'autre qui est déshumanisé, de voir en cet autre une altérité qui est à l'image de Dieu, à l'image de Dieu qui s'est incarné et qui a pris l'image d'un serviteur acceptant la mort injuste, la mort sur la croix. Que ce même Seigneur illumine nos esprits et purifie nos cœurs et ouvre nos yeux pour qu'on puisse identifier le prochain parmi nous et l'élever au rang du Seigneur dans notre amour pour elle et pour lui. Amen.
après les quatre temps de prière, il y aura un moment également de prière libre. Les personnes qui désirent prier spontanément peuvent venir. Je me tiendrai avec M. René Monod dans l'allée principale. Et les personnes qui désirent également apporter une intention de prière pourront le faire à ce moment-là. Prions pour la paix de l'Église du Moyen-Orient, pour le salut de Dieu dans les peuples, la tranquillité partout, et qu'il nous pardonne nos péchés. Que la paix céleste remplisse nos cœurs, même la paix de cette vie, qu'elle nous soit accordée. Orne, Seigneur, de ta paix les rois, les présidents, les armées, les chefs, les ministres, la multitude, nos voisins, nos entrées et nos sorties. Ô roi de la paix, donne-nous ta paix, car tu nous as donné tout. Garde-nous pour toi, ô Dieu notre Sauveur, car nous ne connaissons autre que toi. Prions pour nos pères et nos frères, ceux qui sont faibles devant le sentiment de la haine, de la vengeance, que le Christ notre Seigneur nous donne la force, soutien, et nous donne une bonne santé spirituelle pour aimer nos prochains et qu'il nous pardonne nos péchés. Amen. Esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. En ces temps difficiles où les chrétiens du Moyen-Orient, et tout particulièrement ceux de la Syrie, ne se sentent plus maîtres de leur vie et de leur destin, Seigneur, nous te prions, à la lumière de cette exhortation de saint Paul, afin qu'ils soient libérés de toute peur et que par l'ouverture à l'œuvre de ton Esprit Saint, ne doute pas de ton amour pour eux, et reste affermi dans leur vocation d'être les témoins de ton amour indéfectible pour tous. Que cette épreuve leur permet de vivre l'abandon à ta volonté, dans l'espérance du salut pour tous. Seigneur, nous te prions. Je vous laisse ma paix. Nous te prions de faire régner cette paix en Syrie, où sont nés ton disciple Anania, qui a baptisé saint Paul, et les deux pères de l'Église du temps apostolique, saint Jean de Damas et saint Jean Chrysostome. Écoute-nous, Seigneur. Ya Rab, أنت الذي قلت لنا أعطيكم سلامي أترك لكم سلامي نطلب منك أن تمنح سلامك لسوريا
حيث ترعرع تلاميذك حنانيا الذي عمد القديس بولس وأباء الكنيسة القديسين يوحنا الدمشقي ويوحنا ذهبي الفم. استجب يا رب. Notre Père, nous te confions tous ceux qui se lèvent contre l'injustice et la violence et qui s'attellent au défi de la réconciliation et de la paix. Nous te prions pour tous les chrétiens, pour les musulmans, pour les druzes, pour les kurdes, pour les alaouites, afin que par ton esprit, il discerne le chemin de la paix, de la justice, de la solidarité. Renouvelle les forces et le courage de toutes les communautés chrétiennes. Renouvelle les forces et le courage des communautés musulmanes. Seigneur, merci pour toutes les femmes, pour tous les hommes qui, là où ils sont, construisent des ponts. Nous te confions particulièrement celles et ceux qui sont dans l'enfer de Homs, mais aussi attelés à reconstruire ton Église en Irak, en Libye, en Iran. Seigneur, prends soin de nos frères et de nos sœurs dans la foi. Seigneur, entends notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je vous invite à vous rasseoir. Pendant le chant « Toi, seul Dieu et Père, source de lumière pour tous tes enfants », nous recueillerons l'offrande, la collecte.